Nous sommes dans Sarreguemines. Mon travail consiste à donner la première forme circulaire au futur pneu. Nous sommes en confection. La confection est constituée de différentes étapes. La première étape, c'est la réalisation d'une carcasse. Dans la seconde étape, nous allons réaliser un paquet ceinture. Et dans la troisième étape, nous allons assembler le paquet ceinture avec la carcasse que nous avons réalisée tout à l'heure. Je suis debout depuis 3h45. Petite pause de 10 minutes pour manger un sandwich. Ces pauses sont nécessaires vu le rythme de travail, le bruit, le stress. J'ai la chance d'exercer un mandat de délégué du personnel. J'ai choisi la CFTC pour ses valeurs, pour la présence de leurs délégués sur le terrain, pour leur disponibilité également. La CFTC est le premier syndicat de cette entreprise, ce qui nous a valu un joli score en dépassant les 30%. Nos horaires de travail changent toutes les semaines. La rotation des 3x8 nous amène à travailler sur 3 postes différents. Je suis papa d'une petite fille, ce qui demande beaucoup, beaucoup d'organisation avec la rotation des 3 postes. Je pense que le poste de nuit a pas mal d'impact sur le sommeil, indirectement peut-être sur la santé. On voit bien en écoutant Jonathan que la grande difficulté, c'est de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle, surtout quand on travaille en 3x8. C'est pour ça que les délégués CFTC négocient dans les entreprises la conciliation des temps de vie, afin d'améliorer les conditions de travail et la vie personnelle des salariés. Lorsque je quitte l'entreprise, je ressens le besoin de me ressourcer au bord de l'eau. Et pour cela, je pratique la pêche à la carpe.